Hey yo les gens, c'est DrakeSurvie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite aujourd'hui pour les défis de la semaine 7, 6, je crois, je sais plus. Je vais vous parler un peu des défis qu'on a eu là, qu'on a en ce moment et qui m'étonnent, clairement qui m'étonnent. Alors attendez 5 minutes. Qui m'étonne un peu parce que il y a certains défis, alors je sais pas si tout le monde les fait ou quoi, mais il y a des défis qui sont complètement farfelus pour cette semaine. Donc on est vendredi aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, la vidéo sera sortie pour mardi. Alors je sais, normalement je fais ça, normalement je tourne mes vidéos le samedi, sauf que là ce week-end je suis pas là, donc je me suis un peu je tourne un peu en avance. Comme ça, je vais tourner le Fortnite pour mardi et vendredi, vous aurez le MMORPG. Je continuerai le MMORPG. J'ai vu qu'il y avait eu 2 pouces bleus pour la première vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, c'est ce qui fait ce petit truc en plus. Donc, les commentaires, ça monte dans les stats au niveau de la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire, voilà, si vous voulez que je fasse plus de MMO, plus de Fortnite, plus de trucs comme ça. Si vous avez des conseils à me donner au niveau de certaines vidéos, des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors attendez, je vais vous montrer. Attendez. Ah oui, alors en ce moment, vous devez vous dire, tiens, il n'est pas en noir. Alors piste 1. Chapitre 1, donc comme vous le voyez, c'est la saison 2, comme voilà, beaucoup le savent. Sauf que nous avons nos quêtes de saison. Alors moi, ça m'a étonné de voir des défis à la con comme ça. Alors moi, je l'ai fait en temps normal assez rapidement, sauf que là, je me suis retrouvé avec un dilemme où je me suis dit Fortnite ne sait plus quoi faire en fait. Alors escalader encore 5 fois en 5 secondes, je sais pas comment on peut le faire, parce que même en 5 secondes, 5 fois tant de passer une barricade ou passer une autre barricade, c'est pas possible. À part avec un jetpack, je sais pas comment ils veulent faire, mais c'est pas possible de passer 5 obstacles en 5 secondes. Alors j'irai peut-être regarder, peut-être qu'il y en a qui ont réussi et puis je trouverai quelque chose à me mettre sous la dent, mais moi pour le moment j'ai rien trouvé. Alors bon, après infliger des dégâts en moins de à des adversaires à moins de 30 mètres à distance avec un fusil d'assaut, bon, ça peut se faire assez facilement. Je pense que ça c'est assez facile, je pense que ça tout le monde peut le faire. Voilà, alors ça c'est l'un des défis qui je me suis dit, ils se foutent de notre gueule. Ils savent vraiment plus quoi faire, quoi. Lancer un chou au moins à 100 mètres de distance en un seul lancer. En un seul lancer. Ils savent plus quoi nous faire, hein, Fortnite. Hein. Clairement, ils auraient pu clairement nous dire, bah vous allez faire, tiens, couper du bois, des machins, faire ça, faire ci. Alors, faut qu'on trouve un chou. Alors, je sais que, bon, au niveau chou, il y en a du côté de Crazy Crove. Je sais qu'il y en a dans les jardins, mais les lancer à 100 mètres. Alors moi, j'arrive pas à dépasser les 60. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas du tout si y a un moyen, s'il faut l'utiliser dans un canon ou quoi que ce soit. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi vous dans les commentaires. Mais là, pour le moment, je sais pas. Rester en l'air avec un char d'assaut. Alors j'ai déjà réussi 2 fois. Alors ça c'est facile. Vous trouvez un char, vous sautez d'une falaise 2-3 fois. Alors je l'ai fait 2 fois parce qu'il y a des guignols qui m'ont explosé le char. Et bon, j'ai pas eu le temps de finir. C'est ça le problème. C'est que je pense qu'il y en a qui n'ont pas les défis de saison. Et ben, ils savent pas du tout quoi faire. Donc ils préfèrent nous exploser la gueule. Surtout que moi j'ai horreur d'utiliser le char. Donc voilà. Toucher le char d'assaut avec un pistolet en étant accroupi, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Fortnite, je sais pas pourquoi vous nous sortez des conneries pareilles. Surtout que les chars, c'est quand même l'une des choses qui est quand même le plus chiant, clairement.
Les gens peuvent nous rouler dessus. Il y a vraiment un système quand même qui est très très chiant. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui est vraiment casse-couille. Surtout un adversaire. Encore, ça serait n'importe lequel, donc un bot ou quoi que ce soit. Alors, je vais aller faire une game, hein, bien sûr. Vous attendez pas que je veux juste parler des défis. On ira tenter aussi sur les bots, parce que je ne l'ai pas tenté, mais je crois bien que ça marche pas, parce que depuis un moment, les défis où au début, il y avait certains défis où ça marchait au niveau bot et personnage, au niveau des joueurs, mais là, c'est vrai que là, je crois bien qu'il y a certains moments où ils se sont dit non, stop, on va arrêter les conneries, machin, voilà. Après, c'est pareil, au niveau de la map, comme vous le voyez, là, la map, elle est correcte. La mise à jour a été faite. Comme vous le voyez, Rocky Reel est en plein fight, donc il n'y a pas de rouge et ni de bleu au niveau de ça. Mais quand on part en game, moi, c'est complètement buggé. J'ai l'impression qu'en fait, on n'a rien fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que Fortnite font des mises à jour, puis tout le tralala, machin. On passe des caps où quand même le jeu est quand même super, hein, quand même super cool. Même s'il y a des cancéreux, bon, ça, c'est pas trop grave. Mais au niveau de ça, c'est vraiment dommage que les gens voilà, soient comme ça. Au niveau de ça, c'est pareil, Crazy Groove, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Crazy Groove est dans le rouge. Et pourtant, il n'y a pas de dirigeable. On va me dire, ouais, mais c'est normal, parce que Rocky Ridge, non. Il y a un souci, c'est que le truc, c'est que quand vous lui allez, le camp Kulbul, qui est au-dessus, donc qui est juste là, donc qui est ici. Le souci, c'est que lui, il n'est pas dans le rouge ni dans le bleu parce que ben c'est pas une zone de fight, il n'y a personne qui est. Et Crazy Groove, clairement, c'est la seule zone. Pareil, hein, Stippy Sound, pareil, hein, il n'y avait aucun dirigeable et elle est dans la zone bleue. C'est quand même bizarre, quoi, qu'il n'y ait rien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part? Parce que bon, on se disait Diddy Bugle, Crazy City Sound, voilà, c'était à côté. Et là, c'est vrai que c'est à côté, mais il y a la zone qui est quand même assez proche. On pourrait se dire, bah, c'est pareil pour le camp de Kubel. Et là, bah, là, y a vraiment ce petit truc qui chagrine tout. Donc, on va aller à Grizzly Groove pour essayer le défi. Choucroute. On va essayer le défi du chou. Et bah c'est parti. Donc j'ai 5 étoiles. Je peux pas passer encore de perso. Parce qu'il me reste ce personnage-là et ça. Et je pourrais avoir les petits trucs de Doctor Strange. Alors moi avant tout je l'ai pris, c'était pour Doctor Strange. Et pour le prochain chapitre, je ne sais pas si je le prendrai. Parce que clairement, en ce moment, ben, au niveau des skins, c'est vraiment la même chose. Clairement, entre la fondation et puis les machins, c'est souvent les mêmes choses. C'est souvent les mêmes personnages qui se transforment. C'est les trucs qui deviennent basiques, en fait. C'est tout le temps la même chose. Et ça, c'est un peu chiant parce que moi, je trouvais qu'au début, comme vous le saviez, on avait quand même un pass de combat qui était varié. On avait quand même pas mal de petites choses. Surtout qu'apparemment il va y avoir un event là pour Star Wars, donc c'est vrai que comme chaque année on a un petit event Star Wars et ça c'est plutôt cool. On a eu l'event de comment? On a eu l'event de Pâques qui était plutôt cool parce qu'on a eu clairement les œufs de Pâques. Alors, je vais peut-être pas aller là tout compte fait. Alors comme vous le voyez, ah bah non, ça marche. Ah bah non, ah bah d'accord, ça a marché. Ok, bon, bah alors on va tenter Grizzly Groove en se disant que peut-être il y a des joueurs. Parce que vu que j'ai sauté un peu trop tard. Un, deux, trois, quatre. Oula! Où je pourrais aller? Oh bah tiens, je vais aller au tout coup là-bas. Il y a toujours des coffres. Et je crois bien qu'il n'y a pas grand monde.
Oh merde. Dans la limite de la zone, c'est quoi? On récupère un peu de matériel. Bah. Alors là, ça c'est quand même la première fois que je vois ça. On a de la lama côte à côte quand même. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Habituellement, il y a toujours un lama. Mais là, deux lamas côte à côte, c'est quand même l'une des premières fois que je vois ça. Je vais pas aller les chercher. Alors je sais, ça pourrait me filer des trucs, mais je vais pas le faire. Je vais récupérer ça par contre. Ça c'est cool. Hop. Hop. Alors le truc c'est que les bottes sont dedans, alors c'est un peu chiant. Tu tires comment toi? Donne-moi les balles à la place de... C'est bizarre, j'ai vu construire mais je le vois pas. Attendre là non plus. Je sais pas si ça marche en fait. Alors faudrait que je trouve un pistolet. Le truc c'est que trouver un pistolet et puis d'être à côté d'un char en train de vous allumer la tronche. Oh, chier. Bon, ils sont pas quand même fut-fut. J'ai l'impression qu'ils restent quand même dans la même zone. Ils vont jamais plus loin que la route avec le char. C'est bizarre. Bah ouais, bah tout compte fait, j'ai pas eu de chou. J'ai pas eu de chou.
Pas de chou, pas de pistolet. Habituellement, t'en trouves toujours un, mais là... Toujours gaffe qu'il n'y en ait pas un derrière moi parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien camper et puis se mettre dans un coin pour attendre les gens et... j'ai un fou là mais... Faudrait que j'arrive à monter au-dessus quoi. Faudrait que j'arrive à monter tout au-dessus. Peut-être qu'en se mettant en plus en hauteur, le chou ira plus loin. C'est impossible. C'est impossible. Donne-moi des indices, les gars, quand vous verrez la vidéo, mais c'est quand même ouf, quand même, que de faire un score à 100, faut se mettre super haut, sinon. Je vois pas d'autre solution. Soit se mettre super haut et en se mettant de façon... chill, hein, clairement. Mais moi, je vois pas d'autre solution. J'ai entendu grimper, mais je l'ai perdu. Il y a le bus. Il y a le bus, il y a un joueur là-bas. Quoi ? 120 ? Oh, j'ai explosé le camion. J'ai l'impression qu'elle aime pas quand on la vise. Faire gaffe quand même derrière.
mouche là. Oh, une trailleuse bleue. Apparemment, il n'y a personne derrière moi. Je prends pas le saut parce que c'est le meilleur moyen de se faire allumer la tronche. En espérant qu'il n'y en ait pas un qui spawn là-haut, qui aille là-haut. Parce que c'est leur gros délire de monter en hauteur. Je pense pas parce que vu que c'est pas la zone. Il lag. Il lag. Putain. Attends, mais il y en a un autre qui tire. Il est où? Oh putain, il s'est mis dans les buissons. On est combien? 6. J'entends quand même pas beaucoup tirer moi. Buisson. Je le sais gros comme un mouton.
Je comprends. M'a fait peur, hein. M'a fait peur. Je sais pas pourquoi elle est venue accroupie. Elle serait venue en mode fight. Avec une grosse dégaine de houle. C'est peut-être elle qui m'a touché. Oh d'accord. Est-ce que je vois... Alors je sais qu'il y en avait un autre qui est en train de se taper là-bas. Mais... apparemment il n'y a personne là. Je pense que c'est celle qui a construit les barricades là que j'ai tué. On est 4. Des feuilles, là ça construit là. Je pense qu'il y en a qui sont planqués dans les feuilles. Hein. Je suis sûr qu'il y en a un qui est là. Un peu aléatoirement, mais on est 4, mais le truc c'est qu'il y a le côté montagne qui est là-bas. Je suis le seul à pas construire et à pas me planquer, hein. Par contre, ça va être chaud là, s'il y en a un qui est planqué là. 1, 2. Je m'en doutais. Sors de là. Voilà. En plus, tu joues à cache-cache. Non, mais sans déconner. Tout ça avec un sniper, un visé sniper et puis un pompe. Ah non mais clairement. Bon bah top 1. Top 1 quand même en vidéo. 27 minutes de jeu, bah impeccable. Petit top 1 en construction. Je suis un peu dégoûté parce que les défis sont quand même assez chauds quand même. Je suis un peu dégoûté quand même que les défis ne soient pas... Je trouve qu'ils sont pas faisables au niveau du chou, des trucs comme ça. Alors j'ai regardé des tutos et puis s'il y a des personnes qui ont des conseils à me donner pour me dire bah voilà, faut le faire comme ça, faut faire comme ça. Alors je sais que les chars, voilà, ça peut se faire. Mais avec un peu de difficulté au niveau du pistolet, mais je pense que ça peut se faire. Le chou, je vois pas du tout. Et puis l'escalade, c'est pareil. J'ai tenté plusieurs choses. J'ai tenté de mettre des barricades. J'ai tenté de faire des trucs un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est très très chiant. Alors bon, peut-être qu'entre temps, j'y arriverai. Hein, j'irai regarder peut-être à droite à gauche sur internet. Mais si vous avez des idées à me donner et puis tout ça, je serais bien content de le savoir. Parce que si au cas où que j'ai pas vu cette solution là, entre temps si j'ai pas réussi, ben ça pourra toujours me dire bah voilà. Tout ce que je sais c'est que j'ai déjà fait au niveau barricade, j'ai déjà tenté de faire des barricades et puis tout ça. Donc j'ai construit et puis ça a pas marché. Donc je sais pas du tout. Est-ce que ça faut que ça soit sur un bâtiment obligatoirement? Ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un système autre qu'il faut faire? Parce que clairement je vois pas. Bon, je vais vous laisser là, moi je vais continuer à la suite, bien sûr, je vais tourner le MMORPG, donc on va continuer notre MMORPG, on va continuer pendant 20-30 minutes, qui sortira vendredi,
Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser des commentaires. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et moi, pour moi, ça va m'aider déjà d'une. Et puis si vous avez des idées, des trucs comme ça, si vous voulez qu'on fasse... si vous voulez jouer avec moi sur Fortnite ou quoi que ce soit, pour ceux qui jouent sur Fortnite, bah voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Passez une bonne soirée et merci encore. C'était Drake Survie. Peace.